Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta avec l'initiative qui essaye désespérément de s'emparer de l'Union Européenne. Notre coup d'État, l'épisode précédent, avait fonctionné pas vraiment, pas comme je l'espérais, j'aurais voulu avoir un peu plus de points d'un coup. Normalement, ça dépend de l'opinion publique. Ça n'a pas tout à fait été le cas. On va continuer. On a déjà essayé de se débarrasser des serviteurs. Et puis ensuite de regrappiller à la résistance ce qu'on veut grappiller. Moyennant quoi, le problème, c'est que pendant ce temps, on défonce un peu les stats de l'Union Européenne, qui resteront toujours correctes, mais. Voilà, on a. L'agitation n'est pas trop élevée encore, mais la valeur de démocratie a baissé. L'unité et la cohésion a énormément diminué. Les inégalités sont très élevées. Bon, il y a toujours un PIB par habitant qui est correct. Et une éducation qui est correcte également. Mais c'est clair que c'est pas tip top. Et nos six conseillers sont quand même bien occupés à essayer de gérer tout ça. Alors. Ready for orders. Ready to go. Dans les choses que je pourrais faire. C'est vrai que fondamentalement le Portugal, je pourrais me dire que je vais le récupérer. Parce qu'en fait, je pourrais tout simplement le réattaquer, je suis en train de me dire. Il y a cette armée-là qui est en partance pour la région de Madrid. Là, il n'y a plus d'alliance. Ouais. Alors le problème c'est que du coup cette armée va m'emmerder. Mais c'est vrai que je pourrais la récupérer pour le compte de la Russie, de l'Union Asiatique. Ça pourrait être une idée. On va commencer d'essayer de grappiller, voir si. Eh ben non, l'avantage c'est que tant que c'est moi qui ai le point de l'exécutif, je vais pas utiliser des bombes nucléaires contre moi. Donc ça pourrait être une idée éventuellement. Alors je peux pas. Je ne peux. Si je peux démanteler mon armée. Alors je pourrais démanteler mon armée. On va faire ça. Hop. On my way to the capital. At your service. Je vais démanteler mon armée ici. Et puis on va. On va continuer de faire. Voilà. Aucune chance de réussir la moindre purge. Ça va être. Déjà, on va essayer de buter les serviteurs de nouveau. Hop. Donc, on continue le duo. Citron d'Achus, non, c'est pas Adriel. C'est pas Adriel qui va me faire ça. Adriel, il va continuer de faire de la pub. Et Franz. C'est pareil, lui, il a aucune chance. Il faut que je fasse gaffe parce que quand même mon influence ça diminue. Hein. Je sais pas combien j'en ai dépensé sur les mois précédents. Quoi. Investigation, il est pas bon. Et à lui, il peut pas analyser. Bon. Je refais un tour vite fait. Edbilissi, je crois que j'ai déjà quelqu'un. Ouais, j'ai déjà quelqu'un.
Sur une ville ici. Ah, ici, je crois que j'ai aussi quelqu'un. Yep. Helsinki. Helsinki, j'ai personne. Finlande. Vientiane, je crois que j'ai quelqu'un. Et Amsterdam. Pour l'instant, Amsterdam, je peux pas y aller. Donc, je vais nettoyer ce qui se passe à Amsterdam. Et puis, hop. Taking it to them. Là, je peux rien faire. Si je peux déclarer la guerre, faire la paix. Ah, si, je pourrais accorder l'indépendance. Sachant que de toute façon, je vais les reconquérir. Ah, bah, si, c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, c'est morceler l'Union européenne. Ah, bah, zut, j'ai validé. Quel con. Tant pis. Il faut que, tant que j'ai l'exécutif, en fait, il faut que je morcelle. Je vais rediviser les pays pour les récupérer plus facilement. J'aurais dû y penser avant. Mais bon, je découvre encore le jeu et toutes ses subtilités. Mangazor a construit son spatioforge. Je me demande si c'est pas. Il se fait pas attaquer, Mangazor? Je sais que j'ai plusieurs. Non, c'est pas construction de vaisseau que je veux. Si, c'est les flottes. Les flottes, les extraterrestres, vers la Terre, orbite basse, non, c'est Damnet qui se fait attaquer. Damnet qui va devoir résister. Allez, on ferme. Alors, Vensian, très bien. Ardarine. Et Dark Angel a terminé son spatioport. Ok. C'est bien, ça peut permettre à mes armées de régénérer un peu. Alors, ça, je vais me le mettre en favori. The people will come to our side. 32%, c'est Public sentiment délirant. is increasingly with us. We've hit them where it Voilà. hurts. Bill, c'est bien. Non, il fallait que je recommence. Tac. Très bien. Allez, c'est détruit. Toi, je vais t'envoyer ici. Policy direction complete. Alors, Portugal, démanteler l'armée. Oui, confirmé. Hop. Donc là, je ne veux pas bâtir d'armée. Non. Non, merci. Score one for the good guys. Très bien. Bon, il n'y a plus qu'une seule armée en Union européenne. Alors, la station Cabot. 202 contre 521. Ça, c'était autour de Vénus, si je me souviens bien. Station Cabot. Ouais, c'est ça, autour de Vénus. Alors, donc, même chose, hein, je ne vais pas vous montrer la bataille neutralisée. Et ben ouais, il m'a eu. Sans trop de surprise. Voilà, boum. Est-ce que je vais en reconstruire une? Non, pas dans l'immédiat. Je n'ai pas vraiment un grand besoin. Vénus, c'est bien, mais c'est pas orbite. De toute façon, on peut en mettre autant qu'on veut. Il n'y a pas de question vraiment d'orbite basse, puisqu'il n'y a pas d'interface avec la. Pas d'interface avec la planète. Donc, quand je voudrais en reconstruire, je reconstruirai là dans l'immédiat. C'est tant pis.
Et merde, ça a repoussé ici. Et ça a repoussé là. Il me saoule. Là, j'ai plus de... Et je vais laisser régénérer un peu. On n'a pas réussi à infliger de dégâts sérieux. Ça veut dire qu'il est trop mal en point et qu'il peut pas se rebattre tout de suite. Tu vas régène. Comme tu auras fini de régène. Oh, saloperie de clic droit. We've removed some threats. Saint-Pétersbourg et... Ok. Donc je peux renvoyer cette armée se faire détruire sur Prague et il n'y aura plus d'armée en Union Européenne. Non, c'est presque dangereux ceci de faire de l'unité là. On va faire du bien-être. C'est presque dangereux de faire de l'unité parce que comme c'est pas moi qui contrôle le plus de points, bah ça y est, les... super. Alors, donc là on a dit qu'on allait morceler l'Union Européenne. Time to make our move. Heading to the capital. Et pendant ce temps, on continue de faire de la pub, de faire la chasse aux aliens. Là j'ai pas besoin de mettre autant de points, je vais quand même faire un tout petit peu d'économie. Standing by for orders. Lui par contre je suis obligé de mettre au max. Ah zut, il faut que je blinde les States. What's the op? Il faut que je replante les États-Unis d'Amérique du Nord. Là, je vais pouvoir... Je peux aussi démanteler des... Ah zut, j'ai une deuxième division. Elle est partie où la deuxième division? Ah oui, elle est là. Celle-ci, je peux pas y toucher parce qu'elle a pas de marine. Ouais, c'est ça. Aucune marine. Zéro. Pouf. Non mais oh. Ouais, le problème c'est que là quand même je galère un peu. Je vais pas arriver à prendre le point avec une seule armée comme ça. Je vais aller régène et puis je vais retourner. Comment est-ce que je peux le morceler? Je peux morceler. Je peux accorder l'indépendance. Danemark, Allemagne, Grèce, Angleterre, Espagne. Oui, j'ai largement de quoi démanteler. Alors, je vais garder l'Angleterre. Parce que l'Angleterre... sauf qu'elle redeviendra sans doute indépendante. Je sais pas, on verra. Comme j'ai pas de revendication... Comme l'Union Asiatique n'a pas de revendication sur l'Union Européenne... sur l'Angleterre. Pas sûr que je puisse la récupérer, même si elle est en confédération avec... je vais voir. Donc là, je vais la faire régène ici, et puis je récupérerai la Grèce, je récupérerai... pouvoir récupérer les morceaux un à un, autrement. Quand il n'y aura plus d'armée, putain, par contre... Et t'as le pain, ils ont 3 d'armée. Ça va être chaud. c'est parti. Securing our interests. Orbite basse de Mercure. Ah, ça bombarde. D'accord. Alors, Chao Meng Fu qui se fait bombarder. De même que. Ibn Rustak. Alors, là, normalement, ceci dit, sur Mercure, mes stations, elles sont protégées par
Ouais, c'est bon, ils sont protégés par des réseaux de défense. Alors, ils sont qu'à 92. Ce qui est pas ouf, mais normalement, ça leur permet de se défendre contre les bombardements. Alors, on va pouvoir regarder. Normalement, il y a des petites raies dans tous les sens de toutes les couleurs qui partent. Voilà, piou piou piou. Donc là, c'est les bombardements et les répliques de la part de mes réseaux de défense. Donc parfois, ça, voilà, je vais avoir des. Ah non, là, c'est en construction encore. Ces bombardements vont pouvoir faire que on va avoir des modules qui vont se faire abîmer, mais il n'a pas de quoi me les endommager suffisamment fort, et en général, dans ce cas-là, c'est lui qui se prend des tatanes, du coup. C'est assez classique, hein, à chaque fois qu'on arrive à une menace maximale, on se retrouve avec des bombardements, un peu des bases. C'est pour ça que j'ai construit des réseaux de défense, en fait, un peu partout, pour en gros ne pas avoir de points faibles. Allez, attaque-moi ça. Phnom Penh, très bien. Hop. C'est nettoyé. We're winning their hearts and minds. 49% avec plus 19. Crackdown complete. Alors, Damned qui se fait attaquer. Alors là, typiquement, voilà, les réseaux de défense, hein, ils vont permettre de ne pas avoir de problème sur ce genre de choses-là. Et même, on va voir. Oh, je vais vous montrer quand même. Parce que sur celle-ci, comme j'ai des chances de gagner, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Parce que ça fait quand même une quarantaine d'épisodes. Vous n'avez toujours pas eu de combat spécial pour un jeu de science-fiction, c'est un peu dommage. Donc, bon, moi, j'ai pas de commande, hein. Puisque j'ai que mes réseaux de défense. Donc ça, c'est le petit vaisseau alien avec ses commandes. Ah, le ZQSD fonctionne pas ici. Enfin, ouais. C'est en weld. Je peux de pouvoir utiliser les flèches. Voilà. Pas bidirectionnel. Donc ça, c'est le vaisseau dont on peut pas analyser les forces ou les faiblesses ici. J'aurais pu vous montrer autrement. Donc bon, on va de toute façon, on va démarrer, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Donc ça fait pium 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 pium. Il envoie ses attaques, ses tirs, tout en se rapprochant. Alors donc il tire sur les réseaux de défense, hein, de toute façon. Voilà, là j'ai mes lasers qui vont faire de la défense, qui vont en fait détruire ses missiles, ou ses balles. Certain nombre de systèmes de défense qui peuvent se protéger, enfin de systèmes d'attaque, pardon, qui peuvent être détruits, donc tout ce qui est missile et tout ce qui est balles réelles. Voilà, il tente une manœuvre. Boum. Et là, je commence à répliquer. Et puis lui, logiquement, il va aussi avoir ses réseaux de défense de points qui vont l'aider à se protéger. Hop, j'ai raté. Là, il cherche à éviter les tirs. Mais de toute façon, en fait, il peut pas vraiment m'avoir. J'ai trop de défense. La question, c'est est-ce que moi, je vais pouvoir l'avoir ou pas? Donc, tant qu'il reste loin, en fait, mes balles sont susceptibles d'aller trop lentement pour que je puisse faire réellement quoi que ce soit. Mais les siennes aussi, en fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas de réseau de défense de points. Donc il peut pas se protéger, mais en fait il se protège en restant loin. Et il se passe du coup pas grand-chose. C'était un peu ce que je craignais. Alors que bon, peut-être que si je l'avais fait en résolution automatique, bah, il gère pas tout à fait de la même façon, c'est plus du calcul. Et il aurait vu que j'étais beaucoup plus fort et qu'à la fin, il aurait. J'aurais réussi à le détruire.
Stratégiquement, ça aurait sans doute été plus malin. En termes de vision de série, ça peut être plus intéressant de vous montrer ça. Alors, je peux proposer de mettre fin au combat par consentement mutuel, hein, c'est comme les divorces, avec le camp ennemi. Si, voilà, si je sélectionne ça, bah, et que si lui fait la même chose, ça se passera, voilà, ça fera un match nul, quoi. Ouais, ça passe pas loin quand même, hein. J'ai pas assez d'attaque. Je sais pas s'il y a un temps limité pour les combats. Je sais pas si au bout d'un certain temps, de toute façon, le combat s'annule. Mais bon, là, ça présente aucun intérêt. Voilà. Hop. Extraterrestres vaincus lors d'une bataille spatiale. Les réactions sur Terre sont variées, mais nous avons prouvé une chose. Les extraterrestres ont beau être puissants, ils ne sont pas invincibles. Je n'ai pas vraiment gagné, mais voilà, en état de fonctionnement pour les deux. Victoire pour initiative, si on veut. Disons que je n'ai pas été détruit. C'est bon, quand même, le ZQSD fonctionne sur Terre, mais fonctionne pas sur la carte stratégique, mais pas sur les cartes de combat. Alors, tu es arrivé à Hanoï, qu'il est temps de te battre, petit scarabée. Bon, là, ça va le faire. Dernière armée détruite. Alors, accorder l'indépendance. Bon, aussi démanteler les armées, ceci. Ou démanteler... Ah, attends. Je peux désarmer les ogives? Désarmons. Hop. Merde, ça les fait pas toutes. Policy direction complete. Non. Je vais accorder l'indépendance. Je vais récupérer la Grèce, par exemple. Ou non, l'Allemagne. L'Allemagne, la Grèce. Allemagne. Ah, c'est marrant, c'est juste la RDA que... C'est pas l'Allemagne dans son intégralité. Bon, je vais récupérer la Grèce comme c'est dans mon coin. Donc que sans doute si je serais pas en... Ah, bah, par contre, je récupère le contrôle. Ah, amusant. On va commencer à continuer. Indépendance, oui. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup? Démocratie complète, oh, c'est plutôt pas mal comme stat. Bon, ça c'est, j'imagine qu'il faut que ça s'actualise. Franchement, c'est plutôt intéressant. Et du coup, comme relation alliée avec l'Union européenne. Alors. Alors, je vais enlever l'alliance avec l'Union européenne. Je vais mettre... Sinon, je fais de la récupération pacifique avec le temps. Mais ce sera long. Je suis pas sûr d'avoir trop envie de faire de la récupération pacifique. Je vais faire la déclaration de guerre. Hop. Et voilà. Toi, du coup, je peux t'occuper à faire autre chose. Grrr. Chut. Il me saoule. Firestar, c'est un bon. Our people have taken control. Bon.
Ah, très bien. Il s'est planté. Hanoï, très bien. Ah, par contre, il a blindé les zones en Union européenne, mais il n'y a plus d'aliens. Et ça, en soi, c'est quand même une bonne chose. Pour l'instant, il n'y a plus d'aliens. Ita, tu vas blinder ici. Ready. Et je vais continuer de démanteler tant que j'ai plus de régions. Je booste l'unité. Hop. Là, je continue mes missions pour démanteler tout ça. Et là, bah, je continue d'essayer de récupérer les points. En priorité sur celui-ci. Oh, 34% seulement. Applying pressure on their people. C'est chaud. C'est chaud. Allez, on va y arriver. Making things safe for our people. Donc, il a réussi ça. Alors, je vais me rendre compte que là. Hop, c'est ça que je voulais. Saint-Pétersbourg. Non, c'est Moscou. Helsinki, très bien. Ah ben non, c'était bien Saint-Pétersbourg. À l'attaque. Là, tu régènes. Ici, tu repars à l'attaque. Là, tu régènes. Il va falloir que je fasse une déclaration de guerre ici. Si je fais baisser ma cohésion, c'est pas très grave. D'ailleurs, je vais pas vérifier. Bon, ça, ça augmente. Où est-ce que j'en suis? Bien-être, ça va. Unité, il n'y a pas de souci. Donc là, ce pays-là est très bien. Celui-ci, très bien aussi. Bien-être, je peux diminuer un tout petit peu les investissements. On augmente le PIB, on augmente. Nickel, 2,4 000 en science, c'est parfait. Et sur les États-Unis. Ouais, le problème c'est que je suis un peu trop partout sur les États-Unis. Oh putain, j'ai même là. La... Je commence à perdre du PIB parce que. J'ai trop d'agitation. J'arrive pas à les développer comme je voudrais, quand même, le sale coup des bombes nucléaires m'a vraiment pas aidé. Hein. Ah, c'est vrai que là, j'ai une autre marine. Tac, je peux aller prendre... Non, il faut que je l'en mette deux d'un coup. Je mettrai... Je vais rester là pour l'instant. Et j'enverrai, quand celle-ci sera réparée, j'enverrai les deux d'un coup... Moi, je vais l'envoyer ici, comme ça elles partiront en même temps. Je sais pas si ça change grand chose, mais si ça change, parce que le fait que je la fasse se réparer à la maison, ça sera moins pesant sur le PIB, hein, puisque les armées déployées en dehors de leur région d'origine ou menant des opérations réduisent les points d'investissement de cette nation de 1 par armée. Soit une pénalité totale de 3, bah oui, parce que là, du coup, il n'y en a aucune des 3 qui est dans sa région d'origine. Chicago, c'est ici. Seattle, c'est là. Et toi, du coup, c'est quoi ta région d'origine? C'est... Mexico. Non, Mexico, c'est là. C'est pas rien, mine de rien. Enfin, voilà, moins 3 d'un coup parce que les armées sont pas dans leur région d'origine, ça fait... Enfin non, ça serait de toute façon moins 0,5 par armée, mais moins 1 dès qu'elles sont pas dans leur zone. C'est pas rien. Donc là, typiquement, bah toi, tu retournes à Moscou. Hop.
Et puis vous, là, tu retournes à Pékin. Tu retournes à Canton, c'est là. Et à Kunming. Orbite de Mars, je parie que je vais me faire bombarder aussi. Non? Ah non. Hop. Si, voilà. Même chose, hein. Logiquement, de toute façon, ça va très vite s'arrêter parce qu'il va se rendre compte que il peut pas faire grand-chose. We've moved the needle. Oh ouais, en même temps, c'est le coup de l'échec critique qui est pénible. Mission complete. Donc, je vais faire un désarmé. Hop. J'en étais à 5, j'en suis à 0. Très bien. Et l'autre... Ah mais attends, je suis con, je pourrais céder directement. Hop ! Mais c'est tellement simple ! Mon Dieu ! Mon Dieu, mais c'était tellement simple ! Oh là 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 ! Mais quel con ! Mais là, là, mais c'est pas possible. J'avais juste ça à faire. Ah là 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 là, mais c'est pas possible. Quel con. J'avais juste faire céder le territoire. Boum. Ok. Donc, on va remettre un peu de points bien-être, histoire d'être sûr que ça redescende. Oh là là, mais c'est tellement absurde. C'est tellement agaçant. Bon, pour le reste, ça va, quoi. Bonus de 3 missions de coup d'état et omission de répression. Sanctions. Le Congrès panatique va peut-être appliquer une série de sanctions économiques sur l'Inde. Imposons les sanctions. Tant qu'à faire. Cherchons le Firestar. Hop. Et... répression, j'en ai jamais. Prise de contrôle hostile, j'en fais jamais. Mais je peux avoir à en faire. Quand j'ai à m'attaquer à des aliens un peu coriaces, ça peut permettre d'enlever des organisations qui rajoutent de la sécurité. Ça peut servir. Ah, ça m'agace tellement. Vénus, ouais, bah écoute, détruis-moi Vénus. What? Putana. Putana.
Bien. Du coup, il va me récupérer une armée. Oui, il va me récupérer une armée. Pourquoi j'en ai 4 maintenant? Ah, la Panzer Division, du coup, elle est... amusant. Je me retrouve à attaquer Paris. Our associates were unable to take control. Bon. Ouais. Alors, la proposition... oui. Bangladesh, Norvège, l'Argentine... Sri Lanka, tout ça, c'est des pays qui ne m'intéressent pas dans l'immédiat. Par contre, je suis très surpris que l'Union asiatique n'ait pas développé son sixième point. Ça doit être lié au PIB global. Il est quoi, de 14 millions? Ouais, là, j'ai 40 millions quand même. Et ici, 20 millions. Ça pullule. Il reste. Ouais, ça c'est bon, c'est récupéré, ça aussi. Ouais, du coup, il restera à Georgetown. Je pense que celui-là, je le récupérerai pas, c'est pas très très grave. Bien, alors, ça nécessite... Donc du coup, j'ai plus besoin de faire des actions, des choix de politique nationale. Un peu n'importe quoi. Bon, par contre, il va falloir que je déclare les guerres avec... Ready for orders. Avec l'Union Asiatique. Est-ce que j'ai fait un petit coup de main? Non, j'ai, il me semble rien sur lequel je n'ai pas déjà des armées. Qui sait auquel... Donc bah ensuite, faut essayer de faire de ménage un peu plus global. Mais je sais pas si je vais y arriver. Non, il faut que j'arrive à trouver... à tous les coups, il y a un alien qui se balade dans le coin. De nouveau. Donc, bah, il faut de toute façon que j'arrive à reprendre ce point-là. Je vais laisser de côté l'Union Européenne pour l'instant. Si j'arrive à le reprendre militairement, ce sera très bien. Ah, c'est la résistance qui a le contrôle de l'armée, dommage. Qu'est-ce qu'il en a fait du coup? Ah oui, c'est celle-ci. Okay. Ah oui, l'armée a tout simplement disparu. Bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Citron, tu vas aller m'enquêter ici. Alors, tu vas commencer par faire un crackdown. Ici. Il faut que... Dachus. Hop, une purge. Opposition. Putain. Standing by for orders. Ita. Du coup, bah, je vais faire des déclarations de guerre contre
on my way to the capital. Les états qui... Toi, tu vas aller me taper de la plante. Tu vas aller me taper de la plante où ça? Tant que j'y suis, hein, tu vas aller à Kourou. Going in hot. Tant que je contrôle, et puis Brieux, tu vas ici pour faire des déclarations de guerre. Je vais déclarer la guerre à Étale Balkan du Nord, Grèce. Ouais, on va commencer comme ça. Ah zut. Mission in progress. Adriel, j'ai oublié de le bouger. Orbite haute de Cérès détruit, oui. Saint-Pétersbourg, j'y suis pas arrivé. Bilici, j'y suis arrivé. Toi, tu dois aller à Varsovie. Non, tu dois aller ici. Toi, oui, t'es en opération. Ah merde, ils ont demandé leurs points, forcément. Kharkiv. 54%. Là, toi, ah oui. Donc toi, tu vas t'arrêter pour l'instant. Succès critique, très bien. Saint-Pétersbourg, nickel. Nouvelle armée déployée à LA. Formidable. Ah, de toute façon, je continue à développer. J'ai besoin quand même d'avoir minimum 6 armées, j'aurais tendance à dire. Mission complete. Allez, je peux fédérer quoi? Non, j'ai pas besoin de fédérer. J'ai besoin de déclarer la guerre à la Grèce. Avec les États-Unis, mais sans l'Union asiatique. Mission complete. Déclarer la guerre est à Balkan du Nord. Hop. Prepping for next mission. By the numbers. Tac tac tac. Ah, il fallait que je baisse l'agitation. Aux États-Unis. We're in control here. Bien. Nano-usine, ça c'est très bien. On fait toujours plus de sous et plus de rapidité de construction. Alors là, j'ai des plantes. J'ai pas le contrôle. Moi, j'ai pas le contrôle sur cette armée. Every conflict throughout history. Ah, je me suis fait piquer les psychologies après l'arrivée. Bon. Yes, it is the fount of la fission automatisée. Oui, c'était celui dont j'avais besoin. Premier programme d'exploration spatiale. J'en ai quelques-uns, mais. Bon, on va voir ce que ça me débloque. Et donc, qu'est-ce qui lance psychologie après l'arrivée? Psychologie après l'arrivée. C'est une petite celle-là, 5000. Oui, ça va aller très très vite. Bien, terminé. Les États balkans du Sud, rivalité avec l'Union Européenne. Je m'en cogne. Hop. Les États. Alors, toi, tu vas m'attaquer ces plantes là.
toi tu régènes. Pourquoi est-ce que ici j'ai mon contrôle qui augmente? Alors, Franz, je voulais que tu ailles me calmer un peu l'agitation ici. Déjà, ici, c'est beaucoup trop. Bon, j'ai les valeurs qui commencent à remonter un peu. C'est une bonne chose. Ici, j'ai récupéré le contrôle. Je pense pas qu'il y ait un alien, finalement. Peut-être quand même. Dans le doute, tu vas aller vérifier qui c'est le vilain drôle ici. Adriel, tu vas venir me blinder ici. Dashus. Tu vas aussi venir me calmer l'agitation aux États-Unis, dans les États-Unis d'Amérique du Nord. Ready to go. Ici, l'Italie n'a pas d'armée. Si l'Italie a deux armées, où sont-elles? Ah, elles sont là, d'accord. D'accord, c'est qu'il y a alliance entre les pays. Relations, il n'y a pas de guerre. Si. Ah, l'Italie est en guerre déjà, ok. Donc je pourrais m'attaquer à l'Italie également. Ah, ici j'ai pas... Il faudrait peut-être que je l'attaque celle-là. Donc, Ita. Pas de problème d'agitation ici. Oh, combiné pan-asiatique, c'est un peu chaud aussi. 2,7 d'agitation. Hop. We'll turn down the heat. Et Brieux, bah tu vas pouvoir revenir conseiller le combiné pan-asiatique. Eh oui, définir comme favori. Offering counsel. Hop. Making things safe for our people. Radiateur, il faut que je regarde. Ah, il y a la Suède aussi. I have new information. Protectorat. Okay. Pas du tout celui que je ciblais. Monterrey. Attaque. Les points d'investissement. Priorité économie 5%. Avec plus 10 de capacité de gestion. Pourquoi pas si c'est pas trop cher? Je sais pas. Chasse à l'homme. Aïe, merde. Dashus a tué la mauvaise personne. Quelqu'un qui a des amis puissants. Pire, il n'a pas fait preuve d'assez de discrétion. Dashus est maintenant sur les avis de recherche du monde entier. Toutes les strates de la société se joignent à la traque des agences gouvernementales. Aux organisations criminelles les plus viles. Cela limite grandement son utilité pour l'initiative et nous devons y remédier. Alors, on peut demander pardon. 90% de chance qu'il reste en cavale et 10% de chance que ça fonctionne. On va éviter. 60% de chance que je paye 1,2K pour que ça fonctionne. Je peux feindre la mort. 54% de chance que ça fonctionne. Mais ça me coûte rien. Ou sinon, je dépense plein de points d'opération. Et ça lance une chaîne d'événements combat marqué. C'est-à-dire... Maintenant, ça va chier. Qu'est-ce que je fais ? Ici peut être rigolo, mais je vais d'abord commencer par payer le prix du sang. Quand même 60% de chance de réussite. Pour 1,2K. Allez. Très bien. Ça a fonctionné. Things are stabilizing. Eh ben, très bien, tu vas recommencer. Order is returning. Et toi aussi. Non, toi tu vas pas recommencer. Things are stabilizing. Toi, tu vas recommencer. Oh, putain.
me saoule. Alors, nouveau projet de commandement spécial décentralisé. Les événements de révolte d'habitat sont susceptibles de nous affecter. Nous sommes même de résister aux perturbations de le contrôle de mission. Ajoute une nouvelle organisation. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais la mettre comme favori, puis je l'enlèverai peut-être après. Il faut que je regarde. La Panzer Division a été détruite. Soit. Je la voyais pas, mais je suis peut-être un boulet. Ouais. Je la voyais pas. Mercure. Ah, ça y est, ça a un peu diminué là. Énervement. Ok, prise de contrôle hostile. Ouf, putain la vache. Plus 100 points de contrôle. Ouais. Ok. Ça coûte combien ça? 50 000, ah oui quand même. Bon, ça coûte pas très cher. Je sais pas bien si c'est utile ou pas, mais c'est comme ça coûte pas très cher, très cher, je vais sans doute le faire. Plus de points en économie et contrôle de gestion, ça coûte 15 000 quand même. Alors, dissipateur thermique. Je crois que j'en avais recherché un. Métallurgie dans l'espace lointain. Hop. Toujours plus de revenus. C'est indispensable à long terme. Bien. Je vais terminer ce tour et j'arrête cet épisode. Mon terrain, c'est réussi. Hop, parfait. Je retourne à Los Angeles. Et Bucarest, ça a fonctionné. Toi, tu dois être à Rostov sur le Don. Toi, tu dois être à Moscou. Tu vas peut-être aller filer un coup de main ici d'abord, parce que sinon j'y arrive pas. Et puis ensuite, j'enverrai mes gens faire la guerre. Les États balkans du Nord veulent la rivalité avec l'Union Européenne. Vas-y, je m'en fous. Côte d'Ivoire, Somalie, Algérie. Avec la Grèce. Tac, tac, tac. Tout ça, ça n'a aucune importance. Hop, 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 hop. Ok, allez, je vais arrêter cet épisode ici, j'espère qu'il vous aura plu. On a quand même fait une grande, grande avancée. Ça aurait été tellement simple de le faire avant. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à soutenir la chaîne comme vous le pouvez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.